Chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bon. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore dans nos vies, Seigneur.
Merci Seigneur, parce que Seigneur, nous avons encore besoin, Seigneur, que tu nous façonnes, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur. Seigneur, tu nous dis que tu viens chercher une église, Seigneur, sans tache. Une église, Seigneur Jésus, Papa, sans rides, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur. Alors conduis-nous, Seigneur, conduis ton peuple, Seigneur. Alléluia. De tendresse et de grâce.
descend sur nous. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Oui, viens, Seigneur, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Par ta parole, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, d'une façon, Seigneur, ou d'une autre, Seigneur. Seigneur, que, Seigneur, nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur, nous puissions encore, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur. Reconnaître, Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur Jésus, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Parce que nous avons tant besoin, Seigneur, encore, Seigneur, de marcher, Seigneur, pleinement dans tes voies, Seigneur. Permets pas, Seigneur, à ce que, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, nos pas chancellent, Seigneur.
Et que, Seigneur, que nous puissions demeurer en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Transfert entre ciel et terre, le
puissante main.
mon habitude de demander quelque chose au peuple. Mais ce soir, je vais vous demander de tendre les mains comme si vous allez recevoir quelque chose. Alléluia. Notre Seigneur est là. Il a pourvu pour ce soir. Il a pourvu d'avance pour ta vie. Il a destiné des projets de paix. Alléluia. Alors nous allons recevoir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Alléluia. Yama,
vie. Je confesse que ce soir, tu as la clé. Alléluia. Alléluia. Si tu as la clé, crie un alléluia pour ton roi. Est-ce que tu as la clé ce soir? Alléluia. Alléluia. Acclamons bien fort la présence de notre Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. On a bien commencé. On va essayer de bien continuer. Et on va essayer de bien finir. À la télé, il y a une émission qui dit on n'est pas couché. Possible que ce soir, on se couche tard. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue. Le Seigneur est bon, mes amis. Alléluia. Il est bon, il est grand et il est tout puissant. Amen. Depuis que le monde existe, l'être humain s'est toujours posé un tas de questions. N'est-ce pas? Et nous-mêmes, on s'est posé aussi un tas de questions. Combien ont essayé de savoir? Combien ont essayé d'entendre? Combien ont essayé de sentir? Combien ont essayé de connaître? Combien ont essayé de toucher? Combien ont essayé d'observer? On faisait partie de ces gens-là. Amen. Alléluia. Ça s'appelle la curiosité. Ce n'est pas le titre du message. Hein. Mais la curiosité de savoir, de connaître, d'entendre, de toucher, de voir. L'homme a toujours été curieux. Et beaucoup, en général, ont essayé de comprendre la signification même de la vie. Mais malheureusement, parfois, la curiosité n'a même pas souvent sur le bon chemin, frères et sœurs. Il y a la bonne curiosité, mais il y a aussi la mauvaise curiosité. Pourtant, l'homme a été créé pour connaître Dieu et ses desseins. Non pas sur l'imaginaire, mais sur un niveau personnel. À cause du péché, il y a eu un véritable fossé créé par l'homme lui-même entre l'humanité et Dieu. L'être humain préfère se tourner vers les choses créées par l'homme lui-même qui sont plus faciles d'accès et plus faciles à accepter. Mais il y a une chose que l'homme ne connaît pas. Même si le soleil brille, même si la lumière du jour est là sur la terre, beaucoup sont encore dans les ténèbres. On ne voit ce que l'on veut voir. On entend ce que l'on veut entendre. On ne touche ce que l'on veut toucher. La vérité, frères et sœurs, c'est que le Seigneur n'est pas venu pour nous rendre religieux de l'extérieur, ni pour nous donner une identité qui ne nous appartient pas, mais plutôt pour faire de nous des fils et des filles adoptifs auprès de notre Dieu. Et surtout pour nous conformer à son image, à partir de notre être intérieur, afin de le refléter de l'extérieur. Amen. Alléluia. La façade que l'on veut se donner parfois n'est qu'un aspect pour cacher la réalité de ce qu'on est réellement. Et dans le monde, beaucoup se donnent une façade pour cacher ce qu'ils sont réellement. Amen. Dieu ne se cache pas. Le Seigneur ne se cache pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas à nous cacher. Amen. Nous devons refléter Christ. Nous devons refléter notre Seigneur. Amen.
Encore une fois, nous pouvons cacher à l'homme, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres, pour nous retirer du monde des ténèbres dans lequel nous étions, pour nous amener à son admirable lumière. Il y a quelque chose de très important, frères et sœurs, que nous devons savoir, c'est que nous ne devons jamais ignorer ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Ne jamais ignorer et ne jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors pourquoi c'est important? Parce que parfois, certains vivent d'une manière indigne du sacrifice de Jésus. Quand nous ne vivons pas en tant qu'enfants de Dieu, je ne parle pas les gens de ce monde, mais en tant qu'enfants de Dieu, notre manière de vivre doit changer. Jésus a payé le prix fort sur cette croix. Ce n'est pas pour que nous, aujourd'hui, nous ignorons ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Ma vie, votre vie, nos vies ne nous appartiennent plus. Amen. Nous avons remis notre vie dans les mains de notre Dieu. Amen. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Lorsqu'on était dans le monde, on faisait ce qu'on voulait. N'est-ce pas? On pensait être les meilleurs. On pensait tout connaître. On pensait tout savoir. Alors sur certaines choses, on a eu sûrement raison. Mais sur beaucoup d'autres, on a eu sûrement tort, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous faisons toujours partie de ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. On a les pieds sur terre. Mais le monde est derrière nous. Amen. Dans Tite, chapitre 1er, au verset 15 et 16, il nous est dit quelque chose. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est des versets qui ne sont pas faciles à entendre parfois. Hein? On préfère entendre l'amour de Dieu. Mais c'est par amour aussi qu'il nous dit ça. Amen. C'est pour nous faire comprendre les choses, frères et sœurs. À nous d'être vigilants. Ne nous laissons pas détourner d'un esprit qui ne viendrait pas de Dieu, afin de croire qu'une manifestation extérieure de notre vie spirituelle est suffisante. Dans 1 Samuel, chapitre 16, donc dans ce chapitre 16, l'Éternel envoya Samuel à Bethléem afin de lui offrir un sacrifice. On ne va pas tout lire le chapitre, on va lire jusque deux versets, le verset 6 et le verset 7. Et lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Eliab était le premier fils d'Isaïe. Et Eliab était grand, fort, costaud. Et Samuel, sûrement, il était plus petit que lui. Donc il le voyait comme loin. Mais au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être enfants de Dieu. C'est une réalité. Mais lorsqu'on est digne d'être enfant de Dieu, nous en avons la responsabilité. Nous devons prendre un engagement avec Dieu, de marcher dans ses voies, de marcher selon sur sa parole, frères et sœurs. Peut-être que, bien sûr, parfois nous ne comprenons pas tout ce que Dieu veut pour notre vie. Mais ce qui est important de croire, c'est que Dieu a toujours raison. Amen. Nous n'avons pas toujours raison vis-à-vis de Dieu, mais lui, il a toujours raison. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne se trompe pas, frères et sœurs. Amen. Nous pouvons nous tromper, mais lui, jamais il va se tromper.
Notre confiance, notre assurance, elle doit être complètement en le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu veille sur chacun de nous, frères et sœurs. Dieu est bon. Soyons des bons fils et des bonnes filles. Amen. Alléluia. Dieu scrute nos cœurs, frères et sœurs. Dieu voit nos cœurs. Amen. Alléluia. Ne cachons rien à Dieu. Parfois, j'essaye de dire, Seigneur, je me mets à nu devant toi. Mais quand on réfléchit bien, se mettre à nu, c'est quoi? Si on descend devant le monde, il va dire, ben, il faut se déshabiller, non? Non, nous mettre à nu devant lui, ça veut dire qu'on lui donne tout. Prends tout, Seigneur. Vois ce qui ne va pas dans ma vie. Change-le. Amen. C'est à ces conditions-là que nous allons grandir, grandir et grandir et grandir, frères et sœurs. Le temps presse. Amen. Et nous avons encore des choses à faire, frères et sœurs, avec notre Dieu. Ce n'est pas une pensée qui sauve. Ce n'est pas une idée qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas l'apparence qui sauve, frères et sœurs. On va prendre juste un petit exemple rapide. Alors, je ne m'adresse pas aux sœurs parce qu'elles ne pourront pas revêtir ce que je suis, comme je suis là aujourd'hui. Donc, je m'adresse à mes frères. Mais pour les sœurs, c'est pareil. Hein? Tu ne peux pas prendre ma chemise, tu ne peux pas prendre ma cravate, ni mon pantalon, ni mes chaussures, parce que tu ne seras pas moi. Même si tu les revêtis, tu ne seras pas moi. Et vice-versa. Amen. Dieu nous a créés uniques. Nous sommes uniques. Amen. Alléluia. Nous sommes uniques, mais la seule chose qui nous permet de nous ressembler, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes quand même uniques. Imaginez que si on était tous pareils. Madame Chanteau, elle ne veut pas qu'on soit tous pareils. Alléluia. Mais la réalité, c'est que nous sommes vraiment enfants de Dieu, frères et sœurs. Amen. Chacun de nous, nous devons savoir que selon les Écritures, l'approbation de Dieu ne peut jamais être méritée. Car notre relation avec notre Père Céleste et son Fils Jésus est fondée sur l'amour de Dieu. Et le fait important, frères et sœurs, c'est qu'il nous a acceptés tels que nous étions. Dieu ne nous aime pas à moitié. Dieu nous aime entier, tout entier. Amen. Et nous-mêmes, on doit s'aimer tout entier aussi. Parce que si on n'aime qu'une partie de nous, on a un problème, un gros problème. Amen. Alléluia. Nos œuvres n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu envers chacun de nous. La Bible révèle cependant que le péché nous sépare de Dieu. Nous voyons que personne ne peut pas vivre parfaitement et satisfaire la loi complète de Dieu, sauf, bien sûr, notre Seigneur. Ainsi, toute l'humanité est condamnée à être séparée de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, n'abandonne pas l'homme dans une condition désespérée. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui sont dans le péché, qui sont dans les ténèbres. Mais Dieu ne les condamne pas encore. Amen. Il leur donne encore une chance de venir à lui. Nous avons eu le privilège, c'est qu'il nous a donné cette chance il y a plusieurs années de cela. Et nous avons saisi cette chance-là, frères et sœurs. Mais rien n'est perdu encore. Peut-être que vous avez des amis, peut-être que vous avez vos familles qui ne sont pas converties. Rien n'est perdu, frères et sœurs. Parce que parfois, ce qui nous paraît impossible à nous est possible à Dieu. Il y a toujours un moment favorable. Il faut saisir ce moment favorable.
Parfois Dieu nous parle, parfois Dieu nous montre quelque chose. Et parfois nous ne voyons pas ce que Dieu nous montre. Nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit. Amen. Parce qu'on est basé sur quelque chose, on a les yeux fixés sur quelque chose. Mais Dieu nous parle, frères et sœurs. Amen, alléluia. Et rien n'est perdu pour nos proches. Amen. Cette assurance, on doit l'avoir, frères et sœurs. Amen, alléluia. Le Seigneur Jésus paya la dette, paya la punition pour tous les péchés de l'homme en versant son propre sang. Tous ceux et toutes celles qui placent leur foi en Jésus-Christ et qui acceptent ce qu'il a accompli pour eux seront sauvés et restaurés à une communion avec Dieu. Amen. Le passé est pardonné pour tous les croyants qui acceptent de confier toute leur vie au Seigneur. Amen. On ne peut plus vivre avec le passé. On n'a rien à gagner en étant encore dans le passé. Non, on a tout à perdre. Notre avenir, il est devant, il n'est pas derrière nous. Amen. Alléluia. Nous devons avoir l'assurance que la promesse de Dieu, qu'il leur pardonnera et les purifiera de tout péché, qu'ils confesseront à l'avenir. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 5 à 10. Verset 5. Alors je vais lire pour vous. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme s'il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il faut être vrai devant notre Dieu. Amen. Qu'importe ce que nous puissions faire, mais ne cachons rien à Dieu. Soyons vrais, frères et sœurs. Amen, alléluia. On ne veut pas faire partie des gens qui mentent à Dieu. Le monde ment à Dieu. On est sorti de ce monde-là. On n'a plus à mentir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et ne croyez pas que un petit mensonge aux yeux de Dieu ne compte pas. Il y a aussi d'importance qu'un grand. Amen. Bien souvent, on entend dire « Oh, j'ai fait juste un petit péché ». Ouais, mais même un petit péché vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas bon. Amen. Cette extraordinaire provision de Dieu par Jésus-Christ ne peut être gagnée ou méritée. C'est un véritable don gratuit. C'est un vrai cadeau, bien-aimé. Jésus-Christ, par sa vie incroyable, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, nous accorde le salut éternel et le droit d'être accepté par notre Dieu gratuitement. Il est important, même crucial, de posséder une bonne compréhension, frères et sœurs, de cette doctrine essentielle. La vérité centrale du salut par grâce et par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de l'homme. Amen. C'est le cœur même de l'Évangile. C'est ce qui sépare le christianisme de toutes les religions de ce monde. Et croire d'accomplir de bonnes œuvres afin d'être agréable aux yeux de Dieu est une activité qui conduit à une justice personnelle. La seule vraie justice qui nous rend acceptable devant Dieu nous est accordée gratuitement en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, versets 17 à 21. Si par l'offense
d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alléluia. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Les œuvres humaines et quelles que soient les performances externes ne transforment jamais le cœur inique. La nature pécheresse de l'homme qui est la vraie source de ce qui sépare l'homme de Dieu. Le christianisme, selon la Bible, commence par le cœur humain, frères et sœurs, qui est transformé par la puissance de Dieu. Notre Dieu veut que notre cœur devienne un sanctuaire pour lui. Amen. Dans ce cœur, il y a tellement de choses. N'est-ce pas? Tellement de choses. Et ce processus commence avec le salut, lorsque la puissance du péché est brisée dans les vies. Et j'espère pour chacun de nous que cette puissance, elle est brisée totalement et réellement dans nos vies. Amen. Une nouvelle nature nous est donnée, afin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Amen. Alléluia. C'est un privilège, frères et sœurs, que nous avons, d'avoir ce Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu nous accorde la pleine conviction, nous accorde la puissance et l'habilité d'obéir à notre Dieu et de faire pleinement sa volonté et non la nôtre. On devrait crier à Dieu l'orgueil. Amen. Et vive l'humilité. Ça peut être un slogan, ça, non? À Dieu l'orgueil et vive l'humilité. Quoi que nous fassions de bien, frères et sœurs, quoi que nous fassions de bon, quoi que nous fassions de miraculeux, gardons notre cœur humble, gardons notre cœur pur. Et glorifions le nom de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus lui-même a dit que nous ferions des plus grandes choses que lui. Mais nous ne serons jamais plus que Jésus. Amen. Nous aspirons au miracle. Il faut aspirer au miracle. Amen. Parce qu'on est encore dans le temps des miracles. Un jour, il n'y aura plus de miracle. Mais là, nous sommes encore dans le temps du miracle. Nous sommes dans le temps de la guérison. Nous sommes encore dans le temps de la délivrance. Nous sommes encore dans le temps pour briser les chaînes. Amen. Le temps n'est pas encore terminé pour nous, frères et sœurs. Nous, en tant qu'Église, nous avons encore à mener le combat. Amen. Nous sommes une église qui va triompher, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Oui, on peut acclamer, frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette force. De nous-mêmes, nous n'avons pas la force de le faire. De nous-mêmes, nous n'avons pas cette puissance. Mais Dieu déverse sa puissance dans nos vies. Amen. Alléluia. Afin que nous puissions avoir une vie transformée. Comme Dieu le veut, frères et sœurs. Pas comme moi je le veux, mais comme Dieu le veut. Alléluia. Il nous faut nous mettre à nu devant notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi lorsque nous croyons
enfants de Dieu, nous obéissons à sa parole et au Saint-Esprit et nous faisons l'expérience d'une transformation croissante dans notre cœur et dans notre nature. Il n'y aura pas de croissance si nous ne marchons pas dans l'obéissance. Il n'y aura pas de croissance si nous faisons ce que nous voulons. Encore une fois, donner sa vie à Christ, c'est ne faire que les choses de Dieu. Obéir totalement à sa parole. Ce n'est pas une partie facile. Ce n'est pas quelque chose facile pour nous en tant qu'êtres humains. Mais là où ça doit être facile, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On doit essayer au maximum d'obéir à ce que Dieu nous enseigne. Amen. Ce n'est pas simplement pour que lui, il soit heureux, mais c'est pour que nous, nous puissions avancer comme lui, il veut. Et que nous puissions aller jusqu'au bout, surtout, frères et sœurs. Amen. Nous avons le privilège d'avoir la parole en nous, frères et sœurs. Ce changement intérieur doit se manifester à l'extérieur par de bonnes attitudes et par une meilleure conduite. Amen. Parce que si je n'ai pas une bonne attitude, si je n'ai pas une bonne conduite, comment je vais amener à quelqu'un à Christ ? Vrai ou faux ? Amen. Si je lui parle de l'amour, mais qu'en moi la personne n'y voit pas l'amour, il ne voudra jamais de cet amour-là. Amen. Si je lui parle de paix et que je suis dans l'agitation, il ne voudra pas non plus de cette paix-là. Amen. Nous devons être équilibrés, frères et sœurs. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et notre vie spirituelle doit être équilibrée. Amen. Ne faisons pas plus de ce que Dieu veut que nous fassions, frères et sœurs. Amen. Parfois, le chrétien peut se rendre ridicule. Et c'est dommage. Nous sommes exhortés dans la parole de Dieu d'exprimer notre foi en Jésus-Christ en accomplissant de bonnes œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés par ces bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour accomplir ces bonnes œuvres. Amen. Ce n'est pas pareil. Ces bonnes œuvres que nous accomplissons au nom de Jésus doivent provenir de sa grâce, de sa sagesse et par sa puissance et non la nôtre. Les Juifs, à l'époque d'Ésaïe le prophète, étaient méprisés à cause de leurs œuvres religieuses qui n'avaient aucune substance, aucune saveur. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien de solide. Il n'y avait rien qui pouvait donner confiance. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du solide. Nous avons du constant. Amen. Nous avons quelque chose qui peut faire changer les choses. Amen. Parce que ce que la parole de Dieu a pu faire dans notre vie, elle peut la faire également dans la vie des autres. C'est l'assurance qui est en nous, frères et sœurs. L'assurance. Ce que Dieu a fait pour ma vie, je sais qu'il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas à son peuple. Il veut continuer. Il veut rajouter encore des âmes. Encore des âmes. Amen. Alléluia. Les premiers disciples de Jésus étaient orientés pour accomplir les bonnes œuvres de la loi, pour essayer d'obtenir la justice. Alors ils demandèrent au Seigneur, nous allons voir ça dans Jean chapitre 6, verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et peut-être c'est la question que tu te poses ce soir. Et Jésus va répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Clair, net et précis. Amen.
Il n'a pas fait un grand roman. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Notre Dieu réserve beaucoup plus pour les hommes que des rites de toutes sortes qui sont vains, ainsi que des formes extérieures qu'ils peuvent toucher mais qu'ils ne peuvent entendre. Dieu désire une vraie relation personnelle avec l'homme. Ce qui a été rendu possible, par la provision de Christ, par le salut. La mort et sa résurrection ont ouvert le chemin du salut par grâce. Quel privilège, frères et sœurs. Amen. Le message de l'Église, né de nouveau, est unique. Parmi tout ce qui peut exister dans ce monde. Amen. Rien ne peut remplacer le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de la parole. Personne ne peut remplacer cela, frères et sœurs. Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître qu'il est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Alléluia. Christ en nous représente quelque chose d'extraordinaire, qu'aucune autre pensée, quelle qu'en soit l'origine, peut offrir à quiconque. Dieu, par son esprit, est venu habiter dans nos vies de croyants individuellement. Ainsi, nous pouvons connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec notre Père céleste. Christ est en nous, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Important de comprendre cela, frères et sœurs. Nous ne sommes pas tout seuls. Le Saint-Esprit est en nous, mais Christ est en nous également. Amen. Alléluia. Et si Christ est en nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Quelle assurance, frères et sœurs. Quelle assurance. On n'est pas tout seul. Amen. Toutes les religions de ce monde ont une réglementation morale, mais aucune ne peut déclarer avoir la présence de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Cette présence de Dieu habite dans les cœurs de ceux et de celles qui croient en Jésus-Christ, leur Sauveur. Et cette présence nous invite à entrer dans une relation extraordinaire avec lui. On veut vivre des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Je ne parle pas des choses, comment dire ça? Non, si je dis le mot, ça va porter confusion. Comment je peux dire ça? On ne veut pas vivre des choses. Dans l'extra, et vous comprendrez après. N'est-ce pas? Amen. Non, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre les miracles de Dieu. Nous voulons vivre la pleine puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, à rester comme nous sommes. Nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut que nous fassions dans nos vies. L'Église n'est pas appelée simplement à se réunir. Elle est appelée à travailler pour l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Sur la croix, Jésus a enlevé à Satan toute sa puissance. Et son avenir est scellé par notre Dieu, frères et sœurs. Il l'enverra dans les temps de feu au jour du jugement. Satan n'aime pas Dieu. Parce que s'il l'avait aimé, il ne serait pas devenu ce qu'il est. D'accord ? Il veut s'opposer à lui,
mais il ne peut rien faire contre Dieu. Amen. Alors, il va s'attaquer à l'objet de l'amour de Dieu qui est l'humanité. Dans ce monde, beaucoup de choses sont remplies de demi-vérités qui ne sont pas inspirées de Dieu afin d'apporter la confusion à l'homme, afin que celui-ci s'éloigne du seul vrai Dieu et de son plan pour le salut. Mais l'Église que nous sommes a et va triompher, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre. Amen. Alléluia. Qu'importe ce qu'il veut faire, on triomphera toujours. Alléluia. Même si notre ennemi connaît le plan de Dieu pour sauver, établir, opérer à travers le corps de Christ, l'Église que nous sommes composés de personnes uniques, comme on a vu tout à l'heure, qui ont accepté et reçu personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur, et d'avoir une relation vivante avec lui. Nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, c'est une réalité. Nous sommes des instruments spéciaux employés par Dieu pour des raisons spirituelles et de proclamer la bonne nouvelle autour de nous à tous ceux qui ne la connaissent pas. Amen. Quelle que soit notre connaissance, quel que soit ce que vous connaissez de la parole de Dieu, vous pouvez témoigner, frères et sœurs. Amen. C'est notre devoir, finalement. Amen. Alléluia. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, soit une connaissance, soit vous faites connaissance avec quelqu'un, parlez-lui de le Seigneur. Parlez de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. On ne doit pas avoir honte de ce que Dieu a fait dans notre vie. Au contraire, on doit s'en réjouir. Amen. Alléluia. Il est bon, frères et sœurs, de parler, de témoigner. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à cela. Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 9. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Lorsque l'Église comprend son rôle, je ne parle pas que simplement de la bonne nouvelle, hein, on va dire l'Église universelle. Lorsque l'Église universelle comprend son rôle et qu'elle avance avec force, sans crainte, avec obéissance, dans la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplir, alors l'ennemi numéro un de nos âmes, frères et sœurs, ne peut pas garder son territoire spirituel et son emprise sur ceux et celles qui sont encore liés par le péché. Quand l'Église avance, l'ennemi recule, frères et sœurs. Amen, alléluia. Osons faire ce que nous avons à faire, frères et sœurs. Amen. Il faut oser. Si nous combattons, Dieu va combattre pour nous, frères et sœurs. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. Matthieu chapitre 16, verset 18, notre Seigneur déclare ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire en clair que les portes de l'enfer ont perdu toute leur autorité et de plus, elles ne peuvent pas empêcher l'église d'atteindre ceux et celles qui sont dans les ténèbres pour les conduire à la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est venu pour délivrer les hommes et les femmes du péché. C'est ce qu'il a fait en nous. Il nous a libérés. Amen. Alléluia. Malgré tout, il arrive toujours que certains ne désirent pas de cette liberté offerte. Certains préfèrent être dans la rébellion et poursuivre leur petite vie et leur propre voie.
Et parfois, le plus triste, frères et sœurs, c'est que certains qui connaissaient le Seigneur font le choix de s'éloigner du Seigneur. Parfois, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre, à saisir. C'est un choix. Mais le problème, c'est que lorsque tu as connu le Seigneur et que tu t'éloignes de lui, tu deviens la proie. Tu deviens la proie de l'ennemi. Et il est vraiment dommage, frères et sœurs, parce que parfois les gens vont quitter le Seigneur juste pour quelque chose qui n'est pas vraiment grand. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, heureusement il ne dit pas tout le monde, mais quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. À la fin, c'est écrit. Et mes amis, ce sont les temps que nous vivons. Dieu nous aime et désire nous montrer sa miséricorde, frères et sœurs. Ne nous laissons pas séduire par telle ou telle personne qui se prend pour telle et telle chose. Attention, frères et sœurs. L'autre jour, je suis tombé sur quelque chose sur Internet. Incroyable. Je ne vais pas faire de la publicité, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est ahurissant. Comment on peut jouer à l'église en faisant des choses pareilles? Et il y a des gens qui marchent dans ces choses-là, frères et sœurs. Ils n'ont pas le discernement, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on a un petit peu de discernement, on va comprendre tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit, nous étions des impies, mais Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs et des pécheresses, mais nous avons été justifiés par son sang. Nous étions ennemis de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, tu es ennemi de Dieu, même si tu ne le sais pas. Mais nous sommes réconciliés avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous étions morts dans le péché, mais la bonne nouvelle nous a été annoncée. Et nous avons cru en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes sauvés. Jésus-Christ est venu pour nous libérer des liens de la déception, des liens de la servitude, du péché, pour nous donner la vie éternelle. Peut-être que parfois tu crois que tu es déçu, déçu de Dieu, déçu de ton entourage, déçu du frère, déçu de la sœur. Ça peut arriver d'être déçu. Mais la déception ne vient pas de Dieu, mes amis. Ça ne vient pas de Dieu. Comment je peux être déçu de Dieu? Parce qu'il ne me donne pas ce que je veux? Parce que ses promesses ne s'accomplissent pas dans ma vie. Mais avant d'être déçu, peut-être que je suis déçu de moi-même. Parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Non, il faut briser cela, frères et sœurs. La déception ne vient pas de Dieu. Peut-être que tu es encore sous la servitude d'un péché. Et tu as du mal avec ça. Mais si tu te confies en Dieu, Dieu va te libérer totalement de ce péché. Nous avons, frères et sœurs, une extraordinaire liberté. Même si on peut considérer aujourd'hui, avec les temps que nous vivons depuis quelque temps, que cette liberté
a pris un coup dans l'aile. Mais malgré tout, nous sommes toujours libres. Amen. Dieu nous a donné cette liberté. Et qu'importe ce qu'ils vont faire, cette liberté, on l'aura toujours, frères et sœurs. Parce que nous sommes libres en Jésus. Amen. Fidèles à Dieu, restons fidèles à Dieu. Poursuivre ses propres voies. Et ce qui est remarquable avec Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a jamais de voie sans issue. Il y a toujours une sortie. Amen. Alléluia. Dans le monde, il y a plein de voies sans issue. Mais Dieu, il n'y a qu'une seule voie. Celle qui mène à la vie éternelle. Obéir à sa parole afin d'être affermi en toutes circonstances. On le dit souvent ici, il faut lire la parole. Même si on ne comprend pas tout, mais il faut la lire, il faut la méditer. Amen. Il faut connaître la parole de Dieu afin de ne pas se faire avoir par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Si tu lis la parole, si tu connais la parole, tu auras le discernement nécessaire pour savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Soyons affermis en toutes circonstances. Il nous est arrivé d'entendre qu'il y a plusieurs manières de venir à Dieu. N'est-ce pas? Dans le monde, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Moi, je veux bien, mais à La Réunion, c'est compliqué pour aller à Rome, non? Il faut prendre l'avion, plusieurs même. Donc, ce n'est pas tous les chemins mènent à Rome. Hein. Mais Jésus n'a jamais enseigné cela, frères et sœurs. Pour la bonne raison qu'il déclare lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et que nul ne vient au Père que par moi. Amen. Un seul chemin. Un seul chemin. Personne ne pourra échapper à la vérité, frères et sœurs. Personne. Je vais finir avec ce dernier verset. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. 4, 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs, frères et sœurs. Nous sommes la lumière. Nous avons cette lumière en nous. Amen. Alors il nous faut briller de mille feux, frères et sœurs. Amen. Vous ne sentirez pas la chaleur. Vous ne brûlerez pas. Parce que cette lumière qui vient de Dieu, elle est en nous, frères et sœurs. Amen. Il nous faut briller. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à briller. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyons vraiment ce que Dieu attend de nous. Nous avons été choisis. Nous avons été élus. Amen. On ne s'est pas choisi tout seul, enfant de Dieu. On a été choisis. Amen. Avant de vous convertir, peut-être que vous saviez dans quelle direction vous alliez. Mais quand Dieu vous a choisi, cette direction-là, elle a changé. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour vous, il continue à le faire, frères et sœurs. Alléluia. C'est notre assurance. L'assurance de servir ce Seigneur hors du commun. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et rien ne changera, frères et sœurs. Rien ne changera. Le monde peut s'écrouler. Ça ne changera pas. Amen. Alléluia. Acclamons bien fort notre Seigneur. Alléluia. On va se mettre debout. Pourquoi vous riez ou vous restez assis? Avant de continuer, on va tous ensemble, on va prier. On va prier pour le bébé d'Adam qui est hospitalisé.
va prier pour Patricia, hospitalisée. Il n'y en a pas d'autre. Donc si vous connaissez quelqu'un également, priez aussi pour cette personne. Seigneur, nous voulons te remettre ce bébé entre tes mains, Seigneur. C'est ta créature, Seigneur. C'est ta création, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, l'origine de cette hospitalisation, Seigneur. Toi, tu es le divin médecin, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte. Pose ta main sur ce bébé, Seigneur. Pose ta main sur ce bébé. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Te prions également pour Patricia qui est hospitalisée, Seigneur. Là aussi, Seigneur. Quel que soit le problème, Seigneur, demandons d'intervenir avec puissance dans sa vie, Seigneur. Et tous ceux et toutes celles, Seigneur, que nous connaissons, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Là où il y a, Seigneur, dans certains foyers, Seigneur, des enfants rebelles, là où il y a discorde, Seigneur, dans certains foyers, Seigneur. Seigneur, tu poses ta main, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'équilibre, Seigneur. Et tu veux que chaque foyer soit équilibré, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de ces jeunes, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Combien sont perdus aujourd'hui dans ce monde, Seigneur? Alors Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur, alléluia. Et ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, et te rendre grâce, parce que nous savons, Seigneur, que nos prières ne sont pas vaines, Seigneur, alléluia. Et que tu vas agir, Seigneur, dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui s'attendent à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, alléluia. On va glorifier le nom de notre Dieu. Esprit de Dieu.
puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Oui, envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins. Dieu de